Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue. C'est un petit haul action. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ce que j'ai acheté. Oui, c'était pas prévu, mais j'ai eu besoin d'aller faire 4 courses pour remplir mon frigo. Évidemment, je me suis arrêtée chez Action. Hein, on en parle? Non, on n'en parle pas. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il y a un petit peu de tout. Hein. Il n'y a pas que du loisir créatif, il y a de la déco. Avant toute chose, je voulais répondre, si je ne me trompe pas, c'était Chantal ou je sais plus. On m'a posé la question, qu'est-ce que j'avais utilisé comme petite pince pour m'aider. Vous savez, je vous ai parlé dans la dernière vidéo de création, pourquoi je faisais mes ongles, pour essayer d'avoir des bouts de doigts supplémentaires, etc. Et que j'utilisais beaucoup de pinces pour toutes les choses que je n'arrive pas à faire parce que j'ai des problèmes de préhension au niveau de mes doigts. Et donc, j'ai plein de pinces de toutes sortes. Et celles-ci en particulier, qui sont beaucoup plus solides et très beaucoup plus dures, avec un revêtement antidérapant rouge là tout autour. Donc j'en ai une longue comme ceci que l'on peut après tordre comme l'on veut. Hein. Moi je l'ai laissée comme ça parce que ça me permet de prendre les petits morceaux de papier pour pouvoir les ancrer parce que si je les tiens dans ma main ça tombe tout le temps parce que je n'arrive pas à les serrer. Alors qu'avec une pince c'est curieux, j'arrive plus à serrer une pince que de serrer directement dans mes doigts. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Ces trois lots de pinces, alors c'est soit à Action que je les avais achetées dans le rayon outillage, soit à Carrefour quand il y a les foires à 1 euro. Voilà, vous savez, les foires à 1 euro, 2 euros, 3 euros, il y a les foires à tout. C'est soit à Action, soit à Carrefour dans les foires à tout. Voilà, je ne sais plus lequel parce que ça fait longtemps que je les ai. Ça peut aussi être à Lidl, mais de toute façon, quand ça y est à Lidl, vous avez les magazines, les publicités, elles sont présentées dedans. C'est quand ils font des trucs d'outillage, ils en font très régulièrement. Franchement, je suis désolée, je ne peux pas dire exactement où. En tout cas, les trois pinces étaient vendues ensemble. Il y a ce modèle-ci qui est plate, voilà, comme ceci, et qui est très épaisse, d'où la différence par rapport à ces toutes petites pinces comme ceci, qui sont pas du tout pour la même utilité. Celle-ci, elle a des petits dents micro-dentelées pour attraper certaines choses, c'est plus facile. Celle-ci, je l'ai volontairement tordue de façon à pouvoir bien attraper sans avoir besoin de presser, parce que sinon, elles tiennent pas. Hein. Si vous les laissez telles quelles dès le départ, c'est la merdouille, hein, faut le dire. Hein. Mais elles sont très bien pour faire certaines choses. Et pour les choses où j'ai besoin de plus de pression, je vais utiliser ce lot parce qu'elles sont vraiment beaucoup plus costauds. Elles sont très épaisses. Elles sont antidérapantes. Le manche est beaucoup plus grand. Donc, pour les mains, franchement, à problème, comme moi, c'est beaucoup plus facile que ces petites pinces. Parce que ces petites pinces, on va être obligé quand même d'utiliser ses doigts. Alors que celle-ci, on peut utiliser toute la main. Voilà la différence. Donc, celle-ci, donc elle est plate. Celle-ci, elle est tordue comme ça, mais du coup elle est beaucoup plus tordue que les autres aussi dans ce style. Je sais plus où est-ce qu'elles sont les autres. Le manche là, cette partie là est beaucoup plus longue et toujours beaucoup plus solide. Je les ai volontairement tordues là, vous voyez, de façon à ce que j'ai moins besoin de faire de pression pour que ça se touche, parce qu'avant comme c'était droit et large, il fallait que je presse à fond. Et là, en les ayant légèrement tordues pour les avoir plus vers l'intérieur, du coup j'ai moins besoin d'appuyer. Moi pour mes mains c'était important. Et cette fameuse pince que j'ai utilisée donc pour ma dernière vidéo de challenge, qui est une forme vraiment très particulière, voilà, qu'on trouve pas partout justement, et qui moi me permet de pouvoir quand j'ai besoin de faire justement ce que j'avais fait dans cette vidéo, abîmer les bords de papier, les effets petits déchirés. Avec mes doigts, je n'y arrive pas. C'est plus possible, je n'y arrive plus du tout. Et du coup, j'utilise cette pince pour faire... je prends n'importe quel morceau de papier que j'ai à côté de moi pour pouvoir justement attraper le papier et le plisser. Voilà, je peux le déchirer, le plisser, etc. Et c'est vrai que c'est super pratique parce qu'on peut déchirer et abîmer. Vous voyez, ça se fait très facilement. Avec cette pince, alors qu'avec mes doigts je peux plus faire ça.
c'est fini. Donc voilà, ça c'est cette pince-là. Elle est un peu plus courte que les autres, mais comme on n'a pas la même prise en main, parce que celle-ci, on va l'utiliser plus un peu aussi droite qu'une pince à épiler, en fait, donc c'est moins gênant. Je peux que vous les conseiller si vous arrivez à mettre la main dessus. Si jamais j'en vois à nouveau, je vous le dirai tout de suite dans un post sur la communauté YouTube ou sur Facebook. Je vous informerai tout de suite. Mais ça peut être que dans ces trois magasins. C'est les seuls magasins que je fais. C'est Lidl, Carrefour pour mes chachas. Mais donc, quand il y a des foires à tout, je vais fouiller. Et puis, Action. Donc, voilà. Lidl, Aldi aussi, Aldi. Mais bon, voilà, c'est vraiment très spécifique. Et franchement, je suis désolée, ça fait super longtemps que je les ai. Et ça fait au moins 2 ans, au moins 2 ans, voire plus, que je les ai, 2 ou 3 ans. Et franchement, je sais plus. Donc, soit à Action. J'ai quand même une préférence vers Action, hein. Mais ma tête et moi, vous savez, et puis bon, ça fait longtemps, donc du coup, je suis désolée. J'espère avoir donné une piste. Je suis désolée de pas te donner exactement lequel c'était. Je suis plus très sûre. En tout cas, ça coûtait vraiment pas grand-chose. Et si vous les trouvez, franchement, vous pouvez les prendre. Celles-ci, elles sont de top qualité par rapport à toutes ces petites pinces qu'on peut avoir dans le scrapbooking. Justement, celles-ci, elles sont pour le bricolage, justement, et ne sont pas vendues du tout pour les loisirs créatifs. Voilà pour ça. Je suis désolée, je ne peux pas t'en dire plus. Excuse-moi. En tout cas, sachez que moi, je fais toujours tous les rayons bricolage, tout le temps. Dès qu'il y a du bricolage quelque part, j'y vais parce que c'est comme toutes ces pinces de chez Action dans le rayon bricolage, que ce soit les grands modèles. C'est pour ça que j'ai une préférence pour Action parce que bon, c'est pas le même rouge, mais ils ont l'habitude de mettre du rouge partout, eux. Mais voilà, c'est des choses que moi, perso, je suis tout le temps dans les rayons de chez Action, dans les rayons partout où il peut y avoir des offres de bricolage. Je vais voir parce qu'il y a toujours des choses qui sont de meilleure qualité à utiliser dans le loisir créatif. Comme Madremel, c'est une de chez Action et qui n'est pas vendue du tout pour faire ce qu'on fait dans le loisir créatif. Bref, on attaque le haul. Désolée, ma voix va encore continuer à faire un peu ce qu'elle veut, hein. C'est un petit peu long à se remettre. Mais bon, c'est pas grave. Alors, en premier, j'ai acheté cette gourde en verre cette fois parce que je bois beaucoup. Donc, je me balade tout le temps avec mes gourdes dans la maison, tout le temps, de l'eau du robinet, hein. Je bois tout le temps que de l'eau, de toute façon. Et j'ai toujours pris les bouteilles qui sont à 1 demi-litre de chez Action en plastique. Le problème, c'est qu'on a beau les laver, les laisser sécher pour qu'il n'y ait pas d'odeur, etc. Avec le temps, déjà, le plastique, c'est pas forcément bon pour la santé, certes, mais c'est surtout qu'elles prennent une odeur. Une odeur bah, de plastique qui s'abîme, qui rance, qui moisit, enfin, je sais pas. Une odeur dégueulasse qui se prend, on va dire, au bout d'un an, je dirais un truc comme ça. Donc, du coup, j'en ai trois déjà. Je les garde parce que quand on a besoin de se servir quelque chose ou de, voilà, de l'utiliser, mais moi qui l'utilise tout le temps, en permanence, tous les jours, bah, des fois, ça me saoule. Donc, je vais tester avec cette bouteille en verre. Je vous avoue que c'est moins. Ça me. J'avais pris le plastique parce que c'est moins lourd pour moi. Déjà. Mais comme celle-ci, elle a un revêtement qui fait qu'il y a cet effet un peu holographique qui est sympa. Elle a moins tendance à, je sais pas, à glisser. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Sinon, je la donnerai à ma fille. Parce que voilà, je vais tester ça. Souvent les bouchons, en fait, plus vous les serrez, moins ils sont étanches. Et les bouteilles de chez Action, à l'intérieur, c'est juste un petit joint qu'il y a au fond et le reste c'est en métal. Là, il y a le métal et à l'intérieur c'est que du plastique. Alors je me dis que peut-être qu'elle sera plus étanche à la longue. Elle m'a coûté 1,99 €. Voilà, on verra bien. Au rayon fleurs, plantes artificielles, etc. J'ai trouvé ces petits, comme des tubes à essai, hein, avec ces petites fleurs séchées. J'en ai, hein, mais j'ai trouvé ça mignon. J'ai craqué pour mes fameuses étagères cabinet de curiosité.
Elle coûte quand même bonbon, hein, elle coûte quand même 1,11 € pièce, mais bon voilà, je les ai et puis je sais que je peux rajouter, changer quand l'envie m'en prend ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, pour l'instant, je vais les laisser comme ça, je vais enlever les étiquettes et tout et tout. Et pour pouvoir les disposer dans mon étagère, j'ai choisi ce petit photophore qui est à 1,79 €. Évidemment, je l'ai pris de cette couleur un peu vert bouteille pour toujours aller dans mon style de cabinet de curiosité. Voilà, pour pouvoir les disposer une fois qu'elles seront déshabillées des étiquettes, etc. Juste pouvoir simplement les disposer un peu comme elles veulent, hein, comme ça. Et voilà, ça fait partie de mes petites décos que j'aime bien. Des fois, je les déplace pour changer un peu de choses. Voilà. C'est bête, hein, je sais. Mais bon, voilà, j'ai craqué, je me suis fait plaisir. J'ai pris, ça c'est dans le rayon vaisselle. Ça coûte 99 centimes. C'est une sous-petite tasse. J'ai pas pris la tasse qu'elle avait, je voulais juste ça. Je l'ai pris ce gris anthracite avec un bord doré rose gold. Voilà, il fait donc 99 centimes et je l'ai pris parce que j'ai choisi ce bougeoir qui était dans les rayons, tout ce qui est bougeoir, photophore, etc. Évidemment, la couleur en fonction du cabinet de curiosité que j'adore. C'est un bougeoir. Je sais pas, j'ai pas tenté d'essayer de le défaire. Je m'en fous. Mais moi, je veux juste garder la bouteille telle quelle. Je vais pas forcément mettre de bougie. Et je trouvais ça joli de pouvoir la mettre sur cette petite tasse. Je trouvais que ça apportait quelque chose de plus dans mes étagères blanches. Voilà, ce petit bougeoir chandelier est à 1,79 €, donc c'est très raisonnable. Voilà, donc encore de la déco. Ça fait déjà deux nouvelles choses à mettre dans mes étagères. Hein? Au bout d'un moment, j'aurai plus de place. Au niveau des paniers, je m'en suis repris deux autres parce que dans ma façon de m'organiser, dans toutes mes micro-chutes, les choses que j'utilise, etc., ces deux formats qui ne sont pas de la même, totalement de la même collection, mais bon, c'est très similaire, ces deux formats peuvent encore s'empiler dans les deux autres que j'ai et ça me fera en fait des paniers gigognes, mais du coup, pour le rangement, le garder à côté de mon bureau, je peux mettre... distinguer les choses et après tous les empiler. Et ça me fait seulement un seul panier avec les deux autres qui sont plus grands. Donc celui-là va aller dedans. J'en ai un autre qui est moyen qui va aller ici et celui-ci dans le moyen. Donc en fait ça va me faire une tour. Et en plus c'est blanc crème comme ça et là. Et avec ceux que j'ai qui sont en genre de paille jute, je dirais, ça ira très bien. Et comme ça je pourrais séparer. Toutes mes petites chutes, etc., pour m'organiser pour mes collages et pour utiliser mes micro-chutes. Vous savez que moi, je récupère tout, j'utilise tout. Donc, le petit, il était à 1,99 € et le grand, il était à 2,59 €. Voilà. Donc, j'ai pris ces deux-là. Dans le rayon, toujours là, c'est des plantes fleurs séchées. J'ai trouvé, il y avait plusieurs copeaux de bois. Il y en avait des colorés de différentes couleurs. Moi, j'ai choisi celui-ci avec la couleur naturelle, en fait. Il coûtait 99 centimes. Il y en a quand même vraiment pas mal. Je pense que j'en ai pour plusieurs années pour ce que je souhaite faire. C'est simplement pour pouvoir apporter un peu plus de texture suivant ce que je fais. Sur certaines couvertures de junk ou de l'art déco ou voilà je voulais avoir des petits copeaux mais pas trop petits parce que ceux que je voulais faire moi-même c'était c'était genre on se met des écharpes de partout et là c'est super donc j'en ai pour vraiment longtemps ce paquet-là donc je suis très contente d'avoir trouvé ça donc voilà j'ai pris ça. Au niveau cuisine, j'ai trouvé, ce sont des petites planches, il y en avait des rondes ou des comme ça. C'est des petits présentoirs pour faire soit des mignardises ou des choses comme ça. Hein. Moi, j'ai pris celle-ci volontairement parce qu'elle avait justement tout ce nœud de bois à l'intérieur. Je trouvais ça super joli. Elle coûte 99 centimes. Je l'ai prise parce que je voulais la mettre aussi dans mon étagère
Cabinet de curiosité, ouais, je sais, c'est trop bizarre. Mais pour l'instant, elle va rester comme ça. Mais après, je voudrais faire quelque chose dessus. Quand ce sera fait, je vous le montrerai si j'oublie pas de le faire. Enfin, voilà. En tout cas, je l'ai et je vais la mettre en attendant dans mon étagère. Je la trouve très jolie. Et justement, avec ces gros nœuds comme ça et tout, moi, je trouve que ça apporte totalement du charme à la pièce en bois. En tout cas, voilà, il est très joli. Donc, voilà, ça ira aussi dans ma déco cabinet de curiosité. Au rayon cuisine, j'ai trouvé cette tasse qui permet de mettre son thé qui n'est pas en sachet. Alors moi j'ai la théière qui va avec pour le thé, mais des fois j'ai pas envie de me faire une théière entière, voilà. Donc j'ai trouvé cette tasse super sympa, elle fait 3,99 €. J'en avais une que j'avais trouvé à l'époque chez Casa. Malheureusement, je crois que ça s'est fermé, ça s'est terminé, ça n'existe plus. Et ben, je la retrouve plus. Et en plus, elle était plus petite. Sauf que la différence, c'est que ça, c'était aussi en verre. Voilà. Mais du coup, ça laissait passer beaucoup de petites fibres, de petits copeaux de thé. Là, celle-ci, donc, elle est toute en verre. Elle est magnifique. Ce que j'apprécie, c'est que l'anse est grande, donc ça me fait pas mal à la main, parce que si je ne peux passer que 3 doigts, ça me fait très très mal à la main. C'est bizarre, hein? Alors que là, je peux passer 4 doigts et du coup, bah, je peux tenir ma tasse. Si c'était des anses plus petites, je suis obligée de la tenir à 2 mains. Donc là, elle est en verre. Elle a une contenance de 45 centilitres. Le, justement, filtre. Il est super bien fait, il est vraiment très très fin le tamis, donc je trouve ça super bien pour le thé. Et il a une grande contenance parce que quand on prend du thé en vrac, le thé il n'est pas compressé, etc. Et du coup, bah, on a besoin d'en mettre une bonne cuillère à café pour suffisamment infuser. C'est pas comme dans les sachets déjà tout fait. Et en plus, il peut pas se balader, il a des petits clips tout autour là qui permettent de le bloquer. Et ça, c'est génial parce qu'on risque pas de renverser. Celui en verre, c'était un peu plus compliqué. Évidemment, le papier de soie, je le récupère. Et le couvercle permet à la fois de fermer pour le laisser infuser. Il permet également de pouvoir reposer son filtre dedans quand on a son thé de prêt. Et je trouve ça super sympa. Je ne remets plus la main sur cette tasse depuis mon déménagement. Ce qui fait quand même 6 ans. Et donc voilà, donc du coup je suis super contente de l'avoir trouvée. Elle est super jolie. Et voilà. À l'entrée, il faisait des promos cette semaine et il y avait le ruban de masquage naturel qui était en promo à 99 centimes. Et du coup, bah, j'en ai pris un de suite parce que le mien qui me reste est très 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 vieux. Pour vous dire, il me reste que ça. C'était un de marque, hein, forcément. Et il me reste que ça. Et il est tellement vieux qu'il ne se déchire plus. Vous voyez, il se déchire, mais comment dire, il colle, il laisse de la colle sur là où vous le mettez. Enfin voilà, il est vieux tout simplement. Donc je le finirai évidemment. Mais pour faire ce que je voulais faire, ben, j'en avais besoin d'un qui soit tout neuf, qui se décolle facilement, perd pas sa colle, enfin voilà, celui-ci il est tout neuf donc c'est nickel. Donc voilà, au rayon téléphonie, je me suis repris 2 câbles USB-C. Voilà, parce qu'ils sont très très bien. Le mien que j'ai, il est blanc et ça fait bah, je crois que c'est depuis qu'ils ont sorti les USB-C que je l'ai et ça y est, il commence à montrer des signes de faiblesse au niveau du chargement avec un de mes 3 téléphones. Pourquoi pas avec les autres, j'en sais rien. Pourtant, mon autre câble que j'ai ici dans l'atelier fonctionne très bien avec celui-ci justement qui fait un défaut. En tout cas, voilà, il doit y avoir une fiche qui ne va pas à l'intérieur, qui a dû se déplacer. Bref, du coup, je m'en suis repris 2. Ils sont à 1,79 €. Comme ça, j'en ai un d'avance aussi. Rayon papeterie, je me suis repris des petites punaises. Alors, moi, pour attraper les punaises, il me faut ben, qu'il y ait la tête, là, comme ça. Sinon, les plates, j'arrive pas à les attraper, à les mettre, etc.
Donc à 79 centimes. Donc je suis contente, je vais pouvoir le mettre dans mon rangement. Puis la boîte, elle me servira à ranger des petites découpes, etc. Donc ça sera aussi recyclé. Au rayon papeterie, j'ai pris aussi ce petit bloc de to-do list. J'ai pris cette couleur parce que j'aimais bien. Il faisait 99 centimes et je l'ai pris alors que j'en ai d'autres. Sauf que les anciens qui faisaient, y a un bon moment, hein, parce que bah, on n'en prend pas tous les jours, à moins qu'on les utilise tout le temps. ils étaient comme ça là, avec le système où on les détache. Le problème, c'est que bah, moi, comme il est vieux, je ne l'ai pas encore totalement fini, mais bon, voilà. Il s'est complètement démantibulé là. Voilà, il n'y a même plus le cartonnette et tout. Enfin, il est dans un état pas possible, machin. Et ça me saoule. Ça me saoule. Donc du coup, je m'en suis repris un parce que maintenant ils sont à spirale et franchement c'est top. En plus, quand il sera terminé, la taille de la spirale c'est parfait pour utiliser avec la Bindi Tall. Donc voilà, la cartonnette elle est super super épaisse, je dirais même limite plastifiée de devant et de l'arrière et du coup bah on peut se permettre de les laisser dessus et se préparer des listes différentes pour des jours spécifique. Donc je trouvais ça sympa parce que là la date c'est vraiment en gros. On a des numéros pour les tâches au lieu d'avoir soit des petites étoiles ou autres. Mais il y avait d'autres modèles. Hein. Moi il est vieux. Hein. J'en ai un autre qui est sur mon bureau dans le salon, mais qui est pas, qui est un peu différent. Donc je crois qu'il y avait aussi des numéros. Je sais plus. Bref, on s'en fout. Et je sais pas, le fait qu'il soit visuellement, c'est, je sais pas, il fait plus. On voit plus les choses et je trouve ça plus simple. Et c'est surtout ce côté qui soit, bah déjà, il est plus gros que les ceux d'origine. Hein, vous voyez, l'origine, il y en a peut-être pas deux fois plus, mais presque. Et puis, le fait qu'il soit sur spirale, qu'il est vachement solide quand on l'ouvre, on a les deux super cartonnettes. Donc, on peut se permettre d'être quelque part et d'écrire directement dessus. Ça nous fait un support. Alors que celui-ci, la cartonnette, elle était super fine. Donc, on pouvait pas. Il se tordait quand même. Alors que là, si par exemple, on fait le tour de la maison en se disant, bon, il faut que je fasse ça ou quoi. Je trouvais ça pratique. On peut mettre le stylo. Bref, vous aurez compris. Je le kiffe. Et puis, l'avantage, c'est que quand il est utilisé, comme l'arrière il est blanc, et ben moi je peux les recycler pour faire du collage, etc. Et il est déjà blanc à l'arrière. En tout cas, je suis super contente. J'ai pris cette couleur parce que c'était beaucoup plus visuellement, ça c'était plus facile ceux-là, alors qu'il y en avait d'autres qui étaient très jolis aussi, mais les impressions étaient claires comme celui-ci. Du coup, je trouvais que ça faisait moins. Ça, moi, bon, bref, j'ai des lunettes, hein, voilà, c'était pour mes yeux, c'était beaucoup mieux. Mais le système, surtout des spirales, c'est. J'adore, je kiffe. Donc, il faisait 99 centimes. Bon, on attaque le loisir créatif maintenant. Je remonte mes manches. Alors, j'ai vu qu'ils avaient refait des tampons. Alors, je regarde plus vraiment les hauls actions et tout ça qu'il y a sur la toile parce que sinon j'ai envie d'y aller tout le temps, j'ai plus les moyens d'y aller tout le temps. donc voilà, et puis faut que j'arrête d'acheter des trucs qui me servent pas puisque de toute façon j'ai déjà énormément de choses. Mais dans les nouveaux petits tampons qui maintenant sont comme les toutes dernières fois, les tampons sont de la bonne taille par rapport au motif qui est sur le côté bois et que les tampons en caoutchouc sont habituellement de bonne qualité finalement chez Action. Le prix est de 89 centimes pièce. J'ai pris ces trois-là parce que je les ai trouvés super jolis. Voilà. Et celui-ci, franchement, je l'ai trouvé aussi trop trop beau pour faire soit un embellissement, soit pour mettre sur une page de junk, où ça peut aussi être utilisé pour de la carterie. Donc voilà, moi j'ai choisi ces quatre-là. Dans les dies, vu que c'était les mêmes packaging que les anciens, j'ai pas fait attention que c'était des nouveaux. Alors je sais pas de quand ils datent, franchement, je sais pas du tout. J'ai pas regardé sur les vidéos, si quand est-ce qu'ils étaient sortis, etc. En tout cas, bah du coup, j'ai vérifié si je les avais pas déjà. J'en ai un que j'ai déjà.
Je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire qu'ils sont sortis il y a un moment, parce que je les avais pris en prenant ceux avec les flèches, les machins et tout ça qu'il y avait eu. Donc ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils sont sortis, mais finalement que je les ai jamais pris ceux-là. Donc du coup, moi et les dice, voilà, c'est je les prends, c'est action. Parce que pour le prix, même s'ils ont augmenté, ça vaut quand même toujours le coup. Je ne prends que les choses que je vais utiliser ou les formes basiques, qui est le cas totalement cette fois-ci. C'est que des formes basiques, mais qui sont, ma foi, très sympas pour faire plein, plein de choses. Donc celui-ci, comme je l'ai en double, bah, il va partir dans mes cartons pour le tirage du premier trimestre pour le Challenge 52 Weeks de Margaret Miller en ce moment. Donc je pense que je vais le mettre pour le premier trimestre. Voilà. Et du coup, bah, celui-ci, je trouve super sympa parce qu'on avait eu des grands dies, les tout grands dies qu'on avait eu bah, au tout début, avant qu'ils sortent justement la nouvelle machine qui était plus longue, avec les plaques plus longues pour pouvoir les utiliser. On avait eu des grands dies avec cette forme-là, je m'en souviens, donc qui était très long. Et bah, les petites comme ça, c'est super sympa pour faire plein de choses. Donc j'ai pris celui-ci. Celui-ci, je le trouve aussi très pratique, encore même plus pratique que celui-ci que j'avais déjà pris. Voilà. Mais celui-ci, je le trouve super pratique pour faire plein de choses aussi dans les junks. Enfin bon, voilà. Hein. Là, c'est des bordures, des cadres, parce qu'ils se coupent sur les deux côtés. Hein, donc ça fait un petit cadre et ça évite l'intérieur. Et il a un effet de fausse couture. Cette forme-là aussi, très sympa. Donc, je l'ai prise. Celui-ci, qui ira très bien avec d'autres que j'ai qui sont plus grands, mais du coup, ceux-là sont plus petits. Ça fait des étiquettes, ça peut faire plein de choses hein, pour ceux qui font de la carterie. Comme celui-ci, j'en ai en plus grand aussi. Donc, très sympa. Cela festonné aussi, mais le feston, il est différent que ceux que j'ai déjà. Donc, suivant ce que l'on fait, je trouve que c'est bien d'avoir plusieurs festons, moi perso en tout cas. Et celui-ci qui fait juste la découpe du cadre, donc qui évite totalement l'intérieur et ça nous laisse le cadre de cette forme un peu soleil, je dirais, un peu comme ça. Donc, j'ai pris ça et ils étaient à 1,99 €. Dans les perles, j'ai vu qu'ils avaient ressorti des petites boîtes comme ça. Il y a plusieurs couleurs assorties. Moi, j'en ai pris deux comme ça bah parce que c'est des couleurs que j'utilise le plus, surtout le doré, mordoré, champagne et tout ça. L'argenté, je l'utilise, mais pas forcément à chaque fois, mais je l'utilise aussi. Donc voilà, j'ai pris que cette gamme de couleurs-là parce que les autres, j'en ai plein. Dedans, il y a aussi un fil de nylon qui n'est pas élastique, qui sert très bien pour faire les tissages de perles, etc. Comme j'avais pu vous montrer ma petite perle de perles rocaille. Donc, c'est très bien. Et ils étaient à 1,89 € la boîte. Autant dire que c'était vraiment pas cher du tout pour toutes les perles qu'il y a à l'intérieur. En plus, moi, mes rangements sont d'une autre façon. Je vous montrerai ça au fur et à mesure cette année pour tous mes rangements de la scrap room. Du coup, les boîtes peuvent être utilisées après d'une autre façon. Voilà pour ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé et fouillé un petit peu dans les collections de stickers parce que j'en ai déjà des tonnes, forcément. Et dans ceux que j'ai regardés, voilà, j'ai trouvé ceux-là qui m'ont vraiment beaucoup plu, beaucoup attiré. Donc, j'en ai pris juste 4. Mais j'ai pris que seulement ceux qui m'intéressent, ceux qui me plaisent dans mon style, etc. Donc j'ai pris cette planche. Voilà. Après, j'ai pris celle-ci. Très jolie aussi. J'ai pris celle-ci. Voilà. Et celle-ci, je me suis retenue, sinon je voulais en prendre plein. J'adore. Elle est trop belle, celle-ci. Les couleurs, le vintage, girly un peu, mais pas trop shabby. Oh, franchement, j'adore. Et les planches de. Il y a deux planches à chaque fois de stickers. Ils étaient à 79 centimes.
Les sachets de plastique, je les récupère parce que il y a deux pochettes. Il y a cette pochette grande et ici, ça s'ouvre aussi. Voilà, pour enlever la cartonnette qui est ici. Et perso, je kiffe ces emballages-là pour faire des pages à inclure dans nos junk. Je kiffe ce système-là, donc forcément, je les garde à chaque fois. Ensuite, alors, j'avais pas vu qu'ils avaient sorti ça. Je sais pas quand est-ce qu'ils les ont sorti, les choses de Noël, parce que ça y était pas dans les rayons de Noël. En tout cas, je les avais pas vus. Et j'ai pas regardé depuis un petit moment, je vous dirai en même temps. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai pris ces nouveaux papiers vellum avec les nouveaux motifs qui sont très Noël, hein, très automnal aussi et hiver. Ils étaient à 1,69 €. Donc, vite fait, je vous montre. Là, avec du foil et sans. Sans et avec. Sans et avec. Sans et avec. Sans avec foil, sans et avec foil. J'ai pris celui-ci, je trouve super joli celui-là. Sans foil, avec foil, mais doré cette fois-ci. Je préfère vraiment, moi le doré, c'est vraiment un truc que je kiffe. Sans foil et avec, sans et avec, sans foil et avec, moi j'adore le doré, sans et avec. Sans et là totalement en foil. J'adore celle-ci. Pourtant, c'est que du foil. Mais franchement, je l'adore. Que ce soit des arbres comme ça, je trouve ça très très beau. J'ai pris celui-ci qui est aussi très joli, beaucoup plus effet aquarelle, effet. En fait, les collages que l'on peut faire avec du mix média et tout ça, je trouve ça très joli. Donc là, celui-ci. Et avec du foil un peu bleuté, sans, et là c'est que du foil bleu qui peut être aussi utilisé là du coup c'est intemporel, sans et avec, sans, celui-là il est super beau, moi j'adore. Et totalement en foil, espèce de chevron comme ça, sans foil et que avec du foil, sans, alors ça fait un bleu violet celui-ci, et que du foil. Et le dernier qui a rien à voir avec les trois premiers finalement. Alors je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Moi j'ai pris ceux-là. Il y en avait plein de modèles, mais il y avait les anciens mélangés. Moi j'ai pris ce qui me plaisait. Et celui-ci, il est trop beau. Les couleurs, les teintes, c'est mon kiff. Donc sans foil, celui-ci. Donc c'est. Ça a l'air très noir, très foncé, mais après, si vous l'appliquez sur une page blanche, voilà, ça fait quand même moins ce foncé qu'il y a ici, hein. Et je le trouve très joli et qui sort de l'ordinaire avec du foil, mais là, par contre, ça gâche tout finalement sur celui-ci. Quadrillé, sans foil. Et avec foil. Ah oui, et celui-ci, c'est un foil. Alors, c'est pas un rose gold, c'est un cuivré, je dirais.
un peu. Celui-ci aussi qui est très beau. Enfin, moi, je le trouve très beau. Pourtant, très foncé. Mais j'aime beaucoup. Et avec foil, ben, ça va. Celui-ci, je trouve que ça gâche un peu moins le motif. Mais quand même. Celui-ci, sans foil. Et là, avec du foil. Là, ça fait très joli. Là, c'est des bandes des lignes de plantes. C'est très, très discret. Hein. Franchement, vraiment discret. Et qu'avec du foil, là, ça fait très joli. Par contre, là, j'aime beaucoup. Et là, c'est un peu comme le premier, sauf qu'au lieu que ce soit sur du foncé. Voilà, comme ça. Ils l'ont fait sur un fond, ben, un mix, en fait. Il y a le quadrillé d'ici, mais avec d'autres teintes, mixé avec des petits pois un peu comme ça, là, et les dessins. Donc voilà, du coup, ça fait totalement un autre effet, et ça fait très automnal. Et avec foil, bah, ça gâche tout. Mais bon, voilà. Je garde tout à chaque fois, que ce soit la cartonnette ou la couverture. Soit pour les motifs et également évidemment pour la fenêtre. Donc tout est recyclé à chaque fois. La seule vidéo que j'ai vue, c'était, je ne sais plus. J'ai pris les kits, les nouveaux kits de cire qu'ils ont fait et que je n'utiliserai pas comme ils sont prédestinés à être utilisés puisque ça ne fonctionne pas du tout correctement. D'après le tuto que j'ai pu voir, j'ai pris les trois parce qu'il y a à chaque fois des seaux en silicone différents. Parce que j'ai une vidéo à vous faire pour vraiment un tuto où il va y avoir toutes les façons de faire des cachets de cire, même quand on n'a pas ça. Voilà. Mais je voulais aussi avoir ça pour pouvoir bah, l'inclure dans mon tuto aussi. Et puis voilà. Donc dedans. Alors, c'est des boîtes qui coûtent quand même 2,29 €. Quand on sait finalement que la cire ne fond pas vraiment correctement et qu'elle voilà, elle fait de la fumée parce que la mèche, ce n'est pas de la mèche en coton. Forcément, il y a des éléments toxiques dedans. Je le sais parce que j'ai travaillé chez Party Light. Et donc, je sais que les mèches ne sont pas en coton et qu'en plus de ça, enfin en pur coton, et qu'il y a toujours dedans des effets toxiques, des gaz qui vont se dégager. C'est pour ça que les bougies fument noir. Les bougies de très bonne qualité ne font pas de fumée noire parce qu'il n'y a rien de toxique dedans, sachez-le. Donc bref, j'ai pris les trois qu'il y avait. Il y a déjà des vidéos qui les présentent. Je vais juste vous montrer comme ça. Évidemment, la boîte, moi, je vais conserver par rapport à la fenêtre qu'il y a et pouvoir recycler. Dedans, il y a le petit manche comme ceci en bois afin d'y placer le seau qui est en silicone, donc tout mou. Que l'on place dedans, il faut bien le mettre dedans et qui nous permet de pouvoir faire nos cachets de cire. Le silicone ne craint rien puisque le silicone ne va pas fondre avec la chaleur. Donc là, il y a un cœur, une petite fleur. Alors, est-ce qu'il y a le motif? Oui, voilà. Là, dans celui-ci, ce sont ces motifs. Voilà. Avec également les trois couleurs. Ils sont ici. Donc, c'est vrai qu'à première vue, alors quand on la touche, c'est vrai que ça fait un effet plastique. Et c'est pour ça que je comprends que dans ton tuto que j'ai vu, que ça a du mal à fondre et que ça fait des fils comme du plastique. Parce que franchement, même à l'odeur et surtout au toucher, on sent quand c'est de la cire, ça, c'est très gras. Ça va le faire hein, quand même, mais il faut frotter. Mais je pense que c'est pas de la cire pure. Donc voilà. Par contre, ce qui est sympa, c'est que celle-ci, c'est un champagne à iriser. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a de l'irisé dedans. Donc ça va être très sympa. Et bah, je vais m'en servir de la cire, mais je vais la faire chauffer dans ma cuillère. Ça sera beaucoup mieux.
que d'utiliser avec la mèche parce que c'est vraiment pas top de ce que j'ai pu voir. Donc à 2,29 €. Après, vous avez donc toujours la même chose, mais cette fois-ci avec ces motifs et les couleurs. Il y a un doré, moi j'appelle ça plutôt un mordoré bronze, un vert un peu olive et un bleu ciel. Et celui-ci, où il y a un vrai doré, un argenté et un rouge, avec ces motifs où il y a des messages. With love, save the date, celui-ci. Et ici, big news, grande nouvelle. Et save the date, c'est souviens-toi de cette date, ou ça dépend après dans la phrase comment elle est dite. With love, avec amour, évidemment. Voilà, donc j'ai pris ces trois-là. Je suis contente de les avoir trouvés pour faire ce que je voulais faire. Et évidemment, alors j'ai pas trouvé et je cherche absolument les mousses qui sont sorties. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir. Si jamais vous en trouvez dans votre action ou quoi que ce soit, vous me le dites, je vous paye les frais de port et tout ça parce que franchement, j'arrive pas à les trouver et j'aurais bien aimé avoir toutes les couleurs parce que c'est le genre de choses que j'aimerais bien utiliser. Ça, des mousses, j'en ai pas. J'ai des cires, des pâtes de texture, mais des mousses, j'en ai jamais acheté parce que je trouvais ça trop cher, mais là franchement, vu qu'elles font carrément le taf, franchement, si quelqu'un, enfin une d'entre vous pouvait à réussir à avoir toutes les couleurs, je les prends et je vous paye les frais de port pour l'envoyer avec le prix de l'article, évidemment, et je vous envoie le règlement. Il n'y a pas de souci si jamais vous en avez la possibilité, bien sûr, ce n'est pas une obligation. En tout cas, je sais très bien que ça va être très difficile de les trouver ici, puisque quand elles vont sortir, je pense que ça va faire comme beaucoup de produits. Certaines personnes achètent tout le stock d'un seul coup pour les revendre. Voilà. Donc, malheureusement, c'est dans mes deux actions que j'ai ici, c'est malheureusement souvent comme ça que ça se passe. En tout cas, j'ai trouvé la perforatrice, la letter punchboard, donc la perforatrice de lettres, qui est totalement similaire à celle de We Are Memory Keepers, que j'ai toujours voulu avoir, mais que je n'ai jamais acheté, puisque je trouvais ça beaucoup trop cher pour ce que c'était. Donc, autant vous dire que quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu passer une vidéo où il y avait ça en photo sur la miniature, j'ai foncé sur la vidéo. Et forcément, pour le prix de 8,89 €, je n'ai absolument pas hésité à la prendre parce que moi, elle va être super utile pour faire plein d'embellissements, etc. dans les junks. Ça fait très, très, très longtemps que je la veux. J'ai pas mal de choses, enfin, j'ai quelques outils de chez We Are Memory Keepers, mais plein de choses que j'aimerais avoir que je n'achète pas parce que je trouve ça beaucoup trop cher. Et que pourtant j'aimerais avoir, mais bon, voilà. C'est pour ça que s'ils se mettent à continuer, parce que c'est pas la première fois qu'ils font des copies de We Are Memory Keepers, s'ils pouvaient continuer à faire des copies des autres choses qui existent déjà en punchboard, etc. Moi, je suis très intéressée. Donc sachez que vous avez déjà une cliente. Enfin voilà, moi j'ai sauté dessus parce que franchement. Moi, voilà, moi je l'ai prise parce que je vais en avoir l'utilité. Ça fait très longtemps que je la veux de la marque. Et quand j'ai vu qu'il faisait la même chose, j'ai vu une vidéo qui présente en détail comment l'utiliser, comment toutes les astuces à connaître dessus, etc. Franchement, c'est exactement similaire à la We Are Memory Keepers. La seule chose qui pourra être différente, c'est peut-être la qualité du plastique. Et encore, il faut savoir quand même que We Are Memory Keepers, ça ne dure pas forcément le temps que c'est soi-disant fait. Tout dépend de son utilisation. Moi, en tout cas, voilà. Moi, je kiffe, je suis trop contente. Donc, voilà. Que vous dire de plus à part, je suis trop contente. Voilà. Sur ce, on finit là-dessus. J'ai encore blablaté. Je suis en train, je mets un peu de temps, mais je suis en train de préparer plusieurs choses pour la prochaine vidéo là, du Junk Journal de A à Z ensemble. Je suis en train
parce que je voudrais vous montrer plusieurs choses, mais comme cette vidéo va être faite en plusieurs, on va dire, chapitres, parce que l'étape des signatures, c'est quand même la plus grosse partie du Junk Journal. Ouh, une visiteuse. Ma fifille, tu veux faire un petit coucou à la caméra? Petit coucou. Coucou ma fifille. Et coucou, tu montes ta tête? Tu montes ta tête? Coucou tout le monde, c'est Sushi, qui m'a fifi. Bon, sur ce, sur ses poils, elle va dans son panier. Ah, pardon, je t'ai pris ton panier. Vas-y, tu peux y aller. Ah, mademoiselle, elle a besoin d'être avec sa mamounette tout le temps. Il y a un gros bébé. Il y a un gros bébé de 2 ans et demi. Hein? Il y a un gros bébé. Et elle a besoin d'être en permanence avec moi, mais vraiment, elle est tout le temps à côté de moi. Quoi que je fasse, il faut qu'elle soit à côté de moi. Et donc, bah, quand je suis à l'atelier, vu qu'elle ne peut pas, enfin, si elle vient sur le bureau, comment vous dire, c'est un peu compliqué. Du coup, je lui ai dédié son petit panier, voilà, qui est déjà plein de poils, qui était à la base pour faire du rangement. Hein, vous le reconnaîtrez, c'est un de chez Action. En tout cas, du coup, maintenant, elle a son petit panier. Et quand je travaille sur l'ordinateur, bah, je prends le panier sur mes genoux parce qu'il faut qu'elle soit aussi près de moi. Enfin, bref, c'est un vrai pot de colle, mais un pot de colle qui ronronne tout le temps, qui fait des câlins, trop gentil. Bref, c'est ma fifi, quoi. Bref. Bon, sur ces poilous, je vous laisse. Je me dépêche de faire la vidéo sur la suite du junk, parce qu'il va y en avoir plein d'autres, plein de chapitres là-dessus. Bref, préparez-vous, préparez tout ce que vous avez pu récupérer, etc. Parce que ça va chauffer. Préparez tout, préparez tout. Bref, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!